petit de 4. Sérieux? On nous invite à les mecs, on va peut-être enfin avoir un trou de moule dans cette histoire. Du coup, pour les Louis, elle... Véro, tu nous sers quelque chose à boire, genre quelque chose genre un peu grande occasion, quoi. Ah, tout ce que j'ai, c'est du jus de chaussette, hein. Nickel. Du jus de chaussette, c'est l'expression, c'est... Ok. J'avais pris plein la face, que j'ai... Vas-y. Continue. Moi. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Tu connais mes goûts, mon chapeau, mais non. Comment? Au théâtre, moi je m'y connais un petit peu, je m'occupe de tout ce qui est lumière, donc tout ça, là, les gamelles, c'est moi qui gère au théâtre. Oh. Donc là, moi je les connais tout le temps. Vous savez tellement de choses. Ben oui, les gamelles, les petites gamelles, les grosses gamelles, il y a des gamelles un peu moyennes. Ça ne va pas toujours être facile. Non, vous savez ce que c'est, hein, quand on aime son métier. Oui. Merci. Attends. Je suis qu'une merde. Mais non. Vous êtes le voyageur du temps. Tu peux m'appeler par mon vrai nom, aussi. Non. Très bien. Mais c'était pour ça. Pardon. Pourquoi? Allez, on respire tous un grand coup. Mais c'était pour ça, en fait, que personne n'a pas géré par mon nom. Ah, bah, Jesse. Non mais ça tombe très bien parce que non seulement j'aime la technique, mais en plus j'adore les gamelles. Donc vous avez juste à me montrer comment ça marche. Bon bah si vous aimez les gamelles, c'est vrai que ça peut me rendre service. Puis en plus, je veux que ce soit pas mal. Vous avez dit quoi, la phrase? Je disais, c'est vrai que à partir du moment où vous aimez les gamelles, moi ça me rend service parce que de toute manière, c'est... Voilà, c'est là. À chaque fois, il y a un truc avec la gloque, ça passe pas, je passe pas. Si vous... Ouais, moi. Vous aimez les gamelles? J'aime bien, ouais. Moi, ça me rend service. C'est ça. Et à partir de là, vous récupérez. C'est où chez la reine? Parce que moi je peux négocier, hein. Je peux y aller, y a pas de soucis. Non, ça je m'en occupe. Mais par contre, vous allez en prison, allez chercher Mathéo. Ok. Mathéo. Mathéo? Le gros con avec un vrai nom. Toi tu sais qui est Mathéo? Stop. Mon nom. Dans la vie, il y a des gens qui en imposent et qui taisent. Ce n'est pas ton cas, Frédéric. C'est Richard, même Richard. Merde, pardon, moi, ok. Qu'est-ce que je vois? Même le dos, c'est scandaleux ce que tu fais. Les acteurs de Néo-Versailles dans le rôle du capitaine de la garde, Thibaut Fardou. Dans le rôle de Stella, Isabelle Janin.
dans le rôle du protecteur, Jeffy. Dans le rôle de Richard Ludovic. Dans le rôle de Bernie, Florent Bernard. Dans le rôle de Raph, Raphaël Descraques. Et dans le rôle de spoiler, Renard, Florent Dora. C'était pas prévu. Donc merci à tous d'être là. Vous êtes vraiment très nombreux. Ça fait vraiment très plaisir. J'espère que vous serez encore plus nombreux demain au VDF Talk Show. Qui sera sur la scène principale. Donc là c'est un peu en mode freestyle. Hein, donc on a rien de prévu vraiment. Je vais commencer par Flaubert. Quoi? Au tableau. Flaubert. Tu n'as pas de micro qui marche? Vas-y, parle. Oui, on m'entend. 1, 2. Bonjour. Alors Flaubert, tu fais rôle de Bernie. Oui. Est-ce que ton personnage, à quel point ton personnage te ressemble dans la vraie vie ou pas? À 100%. 100%. Non, oui, il a des problèmes d'hygiène, ce que j'ai eu longtemps. Excusez-moi, vous êtes beaucoup, vous êtes très très nombreux. En soirée, je pense que je suis aussi débile que lui, à peu près. Voilà, c'est un peu ça la base du personnage. Oui. En soirée, en fait, vu que je bois pas d'alcool, je m'ennuie. Et du coup, j'ennuie les gens bourrés. Je me moque d'eux et je les imite en parlant fort. Et Bernie est né d'ici, à peu près. Très bien. Toi, Thibaut, est-ce que, c'est un truc que je dis souvent oui. Par rapport au Capitaine de la Garde, c'est qu'en gros, le Capitaine de la Garde, c'est toi avec un chapeau. Voilà, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être gendarme. Et voilà, au final, je suis capitaine, c'est pas mal. Mais les gens me demandent à chaque fois, mais d'où te vient cette idée farfelue de dire que le capitaine n'arrête pas de dire les zouzous? Mais je te retourne la question justement, parce que c'est toi qui parles comme ça tout le temps. Alors non, je regardais beaucoup les dessins animés pendant un moment, et le matin, les zouzous, les midis, les zouzous, tout ça, voilà. Donc au final, chez nous, ça, voilà, on dit les zouzous tout le temps, c'est globalement ça, quoi. Voilà, oui, alors. Très bien. Vous êtes très nombreux, oui, effectivement, c'est fou. Et toi, Isabelle? Voilà. Est-ce que ça t'a plu de sortir un peu de la cuisine des saisons précédentes? Oui, enfin. Enfin. C'est vrai qu'il y a du monde. Bonjour. Oui, j'étais hyper contente de sortir enfin de cette cuisine et de cet appartement et d'être avec tous mes copains dans le futur, de faire plein d'aventures. Et oui, non, j'étais hyper ravie. C'était trop bien. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu des décors pour la première fois? Comme ça. Comme ça. Voilà. À peu près. Très bien. Toi, Tefi, les gens te connaissent pas forcément parce qu'on voit rarement ton visage. Même si t'es peut-être le gars qui a le plus fait de personnages dans la série. Parce qu'à chaque fois, tu te fais buter d'une façon différente. T'apparais dans la saison 2. Je crois que dans la saison 2, dans la même scène, tu meurs trois fois et de trois façons différentes. Genre une balle dans la tête, etc. Après, t'as fait des nécrophiles dans la saison 3. Exact. Mais pourquoi tu fais ça à la base? Alors, c'est le principe même du cascadeur. Le cascadeur, il doit rester dans l'ombre. Donc, voilà, ça me permet par contre d'incarner plusieurs personnages, puisque au final, il est souvent là pour doubler les comédiens principaux. Et c'est ce que François m'a permis de faire depuis la saison 2. Voilà. Avec en prime dans la saison 4, le dernier. Dans le rôle du protecteur, voilà. Mais à la base, toi aussi, tu as une carrière internationale, parce que tu n'es pas étranger au Japan Expo, puisque tu as fait des séries. Oui, j'ai eu la chance et l'opportunité de commencer ma carrière de cascadeur au Japon, où j'ai tourné pour pas mal de films et de séries de super-héros en costume. Et c'est pour ça que... Tu étais qui dans... Tu
écouter le... Alors j'ai fait la saison de la saison 2012 des Power Rangers en Chine. Et j'étais le Ranger vert. Ouais. Voilà. Il était le Rangers vert, qui est le... D'accord, qui est le plus stylé. Et récemment, là, tu doubles aussi sur des séries françaises, même s'il y a très peu de bastons, finalement. Oui, j'ai aussi la chance de doubler depuis la saison 2 de No Limit, en fait, Vincent Elbaz. Alors justement, une série française qui tourne à Marseille, produite par Luc Besson. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte, mais mets-toi debout, mets-toi de trois quarts, dos. Ça, c'est Vincent Elbaz que vous voyez à l'image. C'est lui, en fait. Voilà, cette fois qu'il y a un plan de Vincent Elbaz qui lève la jambe ou qui fait un effort physique en fait, c'est toi. Ouais, il est quand même très participatif, hein, on va pas descendre Vincent Elbaz. Il est très cool, donc voilà. Très bien. Et toi donc Ludovic, une grande carrière à Canal, au Beagle. Oui. Quoi? À la base. Oui. C'est vrai que l'on fait parler très tard hier, je m'en rends compte. Oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé de du show de demain en plus, voilà. C'est marrant que t'en parles. Et je vous vois ici aujourd'hui, c'est bien, mais il faut venir demain aussi. Hein. 17h, c'est le principal. Ouais, calmez-vous bien et venez demain. Gardez cette énergie pour demain. Moi, je réponds à rien aujourd'hui. Je peux me préparer pour demain. Il y aura plein de vidéos, plein de surprises. Je compte sur vous. Hein. Oui, répondez. Voilà. Et donc, je crois qu'en plus, enfin, sans vouloir trop spoiler le show, mais le but de ce show, c'est que les gens te détestent et te tuent, c'est ça? Oui, il y a des surprises et je pense que je vais en énerver plus d'un. Très bien. Il y a beaucoup de surprises demain. Sachant que même moi, j'ai pas tout vu. C'est censé être le visiteur talk show, mais je suis même pas sûr de ce qu'on va voir. Quoi. Personne, enfin, on n'est que trois à voir le conducteur entier du spectacle. Il y a Raph, il y a Jay avec qui on fait le spectacle et moi-même. Mais il y a beaucoup de surprises, préparez-vous. J'ai très peur. Donc Raph, donc... Bon, tu as joué dans le Visiteur Futur, mais tu fais pas que ça, tu es ton propre réalisateur aussi, voilà. Donc tu peux me parler de ta carrière à côté aussi. Ouais, je fais des vidéos sur l'internet work. Je vois que tu les vends très bien. Voilà. Tu as fait notamment quelques blockbusters de YouTube. C'est quoi ton sketch préféré? Que j'ai fait? Ouais. Mon sketch préféré parce que je l'ai fait. Oui, celui que tu es le plus fier. Je sais pas, je suis très fier de beaucoup de choses qu'on a fait avec Suri 4, avec Ludo aussi, blabla. C'était une des petites perles de 2014. Mais plein, je mets une part de moi-même dans chaque truc, donc tout ça c'est mes enfants. C'est plein d'enfants en 720p. Très bien. Et donc Florent Dorin, comédien, on m'a dit légalement on est obligé de dire comédien au Conservatoire dramatique de la ville de Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais... Toujours obligé de citer ça? C'est bien. Très bien. Bien. Mais c'est bien. Tu es aussi chanteur, je crois? Bah un petit peu, effectivement. Enfin, je sais pas si vous le savez tous, mais je fais un peu de chansons, de musique, j'irais un peu pour mon plaisir, par passion. J'essaie de considérer que le métier d'acteur, c'est vraiment mon métier. La musique, c'est un hobby que j'essaie de faire très sérieusement. Et j'ai travaillé là cette année sur de nouvelles chansons que vous pourrez écouter en achetant le CD qui est disponible sur le stand. C'est très abrupt comme promo là. Hein. C'est très vif, dans le vif du sujet. Ouais, hein. Tout après. Non mais écoutez, en tout cas, si je vous parle de ça comme ça, c'est parce que je suis très fier de pas tant de ce que j'ai fait moi, mais de ce que j'ai réussi à faire avec la dizaine de musiciens qui ont collaboré sur ce CD. Voilà, donc si jamais vous avez déjà aimé des chansons que vous avez pu entendre dans Le Visiteur, d'ailleurs, je pense que vous apprécierez ces nouvelles chansons donc sur ce nouvel EP qui s'appelle Finally. Voilà. Et Isabelle, toi aussi tu as un groupe dont les chansons sont utilisées dans Le Visiteur. Oui, ça marche. Oui, alors écoute-moi très fort. C'est parce que je suis enrhumée. Oui, j'ai des chansons dans Le Visiteur avec le groupe que j'ai avec Samuel Braffman qui joue Octave. Je galère avec Samuel Braffman. Et on a un groupe qui s'appelle Minivac, un groupe de rock. Voilà, et donc on a eu quelques titres dans Le Visiteur, dans la saison 2, 3 et 4. Ouais. Et voilà, et là c'est en vente aujourd'hui, enfin. On est contents parce qu'on a eu des soucis de livraison sur le stand d'Ankama, si vous avez envie. Voilà, plein de choses. Et sinon, on a aussi deux autres musiciens, mais qui débutent un peu encore, qui font du rap. Donc ils sont, pour l'instant, ils n'ont fait qu'un seul morceau, mais à leur insu, le morceau de la Schneck, c'est ça?
Ouais. Enfin, c'est composé par Florent Dorin et Samuel Braffman à la base. Ouais. Nous, on est en backup. Non. C'était composé. C'est issu d'un chant de fertilité latin finlandais que je leur ai appris et qu'ils ont détourné. Mais en même temps, on n'est pas loin. On a sublimé. Chant de fertilité, oui, c'est vrai que, l'achec. On a eu de la chance de vous avoir en featuring, sinon c'est clair que. Que voilà, on ne pas vu. YouTube n'aurait pas décollé. Quelqu'un ici connaît la chanson de la Schneck? Alors sinon, allez sur internet, tapez le mot Schneck, vous regardez des nouvelles images. Passez 5 pages et vous trouverez le truc. Des Schneck, juste un futur, un truc qui est un peu en rapport, sinon voilà. Et vous allez entendre la meilleure chanson de tous les temps. Donc, attention, c'est une perle rare hein, sur Dailymotion, attention, hein, donc on est dans le. Il faut bien chercher. Bon, très bien, et oui, donc, et aussi, soit l'album d'Isabelle ou l'album de Florent, les visuels sont faits par Laura Descraques, qui est ma sœur, et qu'on embrasse tous, et qui fait des super peintures, et je sais même pas où elle est. Bravo Laura, merci. Ok, merci. Bravo Laura. Voilà, on s'est fait kiffer en auto-promo, maintenant c'est à vous de poser des questions pertinentes. Je voulais juste dire un petit mot, remercier tous les gens qui sont venus par le Visiteur du Futur, que j'ai pu voir à la sortie du théâtre, ou des théâtres même cette année. Voilà, je sais pas, ils se reconnaîtront, les gens qui sont venus voir Immortel, Bérénice, etc. Et ça me touche beaucoup, je crois qu'en plus beaucoup ont aimé, donc tant mieux. C'est bien puisque, enfin, je parle de ça parce que je fais du théâtre aussi à côté du Visiteur et c'est bien de pouvoir faire en sorte que les ponts se fassent entre la série de science-fiction et le théâtre, je dirais un peu plus traditionnel, quoi. Voilà. Donc merci. Merci à vous. Raph, est-ce que tu veux d'abord répondre à la question que tout le monde va te poser tout de suite, comme ça c'est fait, et comme ça on n'a pas à la subir. Vous verrez au show pour le secret de mes cheveux. Voilà. Ça fait donc 5 ans que la série existe. Ouais. Et le premier à lever la main, c'est toujours ce mec. Je sais pas où est le micro, qui peut parler? Est-ce qu'il y a des micros dans la salle qui se baladent pour... là-bas. Ok, c'est la demoiselle là-bas qui court. Donc, voilà. C'est bon ça. En plus, il fait pas trop chaud pour faire un petit footing, c'est bien.